commencer cette soirée avec les choristes des écoles de Cerdagne et de Cassis, surtout de Cerdagne ce soir, qui vont nous chanter des extraits, je le dis surtout pour nos amis les Ariégeois qui viennent de loin, de très loin, derrière le Puy-en-Velay, c'est loin, qui vont nous chanter en fait quatre chansons du répertoire que nous apprenons toute l'année dans les classes pour préparer le grand concert qui aura lieu dans deux semaines avec beaucoup, beaucoup plus d'élèves. Sur le crochet, pour faire très vite, il y a près de 1000 élèves qui participent. Ce soir, nous avons les meilleurs. Nous avons l'école de Font-Romeu, l'école de Dorve, l'école d'Egat, l'école d'Estavas. Je crois que j'oublie parce que... Nous allons faire comme dans les vrais spectacles. Parce que c'est un vrai spectacle. C'est bon. Ah oui. Donc, on va vous demander un maximum d'attention. Donc, ça veut dire de faire des commentaires et des publicités après. D'éteindre vos téléphones portables. Enfin, pardon, de les rallumer plutôt à la fin. Ça, c'est important dans les spectacles, on fait ça. Et d'être très attentif. Parce que là, on a des conditions particulières. Nous n'avons pas répété, nous n'avons pas eu le temps. Donc c'est une première et pour eux, et pour moi, et pour vous. La première chanson qu'on va chanter, c'est une jolie chanson. De Jean-Jacques Goldman.